baisser le regard jamais. Au détour d'une soirée canoise, nous avons rencontré Maud accompagnée d'Alban Bartoli. Tous les deux ont participé à la saison 5 des Anges de la télé-réalité sur Énergie 12 et sont depuis restés amis. Mais que faites-vous à Cannes ? Alors moi je suis canoise, je suis née ici, donc j'ai grandi ici aussi. Et j'ai ma famille, mes amis, et puis c'est aussi l'occasion pour la première année pour moi de voir le festival de Cannes, parce qu'en tant que canoise, j'étais la première à mettre les voiles pour pas subir le festival, tu vois. Est-ce que vous allez retrouver Coralie, Mélanie ou encore Nicolas des Anges 8 pour faire quelques soirées ensemble ? Bah pas du tout, en fait, parce que du coup, sans condescendance aucune, non. On n'a pas fait les mêmes saisons, ce sont pas nos amis. Effectivement, on les connaît pas, c'est pas nos amis. Après voilà, je connais Cannes d'une autre façon, mais c'est vrai que monter les marches, non, c'est pas nécessairement notre place, on va dire. Et le cinéma, ça vous tente ? Pourquoi pas, si on a des bons rôles et qu'on est bien coaché, pourquoi pas ? Moi, je sais pas si je me risquerais, honnêtement. J'ai fait du théâtre dans ma formation, danse, chant, théâtre, et j'étais pas très douée. J'avais toujours l'impression d'être un peu mauvaise, donc honnêtement, c'est pas au programme. Mais qui sait ? Et le dernier film que vous avez vu en salle ? Honnêtement, je vais peu au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'était le Batman vs Superman. J'adore, moi. J'adore tous les trucs comics, Marvel et tout. Donc, c'est une année où je vais aller voir un peu tous les films qui sortent. Je suis un grand fan des Visiteurs et le dernier, on est allé le voir ensemble d'ailleurs. On a un peu souffert du coup. La télé-réalité, c'est terminé ? Terminé. Hasta ! Ouais, non, c'est bien une saison pour le coup de projecteur. Après, c'est pas nos métiers. C'est pas le but dans la vie de passer à la télé. Loin de là. Après, on crache pas dans la soupe. Hein. Ça a apporté plein de choses, mais voilà. Une saison, c'est bien, et après, il faut travailler beaucoup pour essayer justement de capitaliser la petite notoriété et en faire quelque chose de bien et de durable. Il a tout dit. Parfait. Moi, c'est parfait.